Écoutez, je suis Gilles Bontemps, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Je suis chargé des infrastructures et des transports, et donc j'étais particulièrement, entre autres, chargé de suivre la réouverture de la ligne Nantes-Châteaubriant. Le challenge qui était posé, c'était comment peut-on réouvrir une ligne comme celle-ci fermée pendant 34 ans en tenant compte de la réalité des modes de vie actuels, de la réalité de ce qui s'est passé autour du site de cette ligne depuis cette période, et donc de pouvoir allier à la fois d'une part les besoins de déplacement des personnes, donc on va dire qui sont les plus loin, qui sont à Châteaubriant, puisque c'est quand même un raccordement d'un territoire déraccordé depuis 34 ans. Et donc comment on pouvait répondre à la fois à ces besoins-là, à la fois aux besoins du périurbain et à la fois aux besoins de l'urbain. Il a fallu innover sur l'infrastructure, il a fallu innover sur le matériel, il a fallu innover sur les règles de circulation, il a fallu innover sur la façon de travailler, sur les modes de sécurité, etc. Et puis c'était aussi, je crois, la première fois qui était confiée à une entreprise privée, la maîtrise d'œuvre de ferroviaire sur le territoire. Le SCE, le maître d'œuvre, qui a été choisi par RFF à l'époque. En gros, il a joué le rôle que joue d'habitude la SNCF sur des projets de rénovation ou de réalisation de voies ferrées. C'était un vrai pari, il fallait le gagner. Aujourd'hui, on sait qu'il est gagné. Il a fallu qu'avec l'ensemble des partenaires, il y ait eu beaucoup de détermination. Il y a eu des périodes tendues, il y a eu des périodes chaudes, c'est normal dans un projet comme ça. Et aujourd'hui, ça marche, le pari est gagné.